Ouais, lui, c'est pas un bon mec à farm. Il joue vraiment bien. Bah, c'est comment il s'appelle, les Tao. Il joue peut-être pas à 100%, mais il s'accroche. Il joue pas n'importe comment, là, c'est sûr. Il joue pas en full tryhard, mais il joue pas en full cadeau. Il n'est pas là pour donner les parties non plus. Du coup, à 27-70, c'est hyper maigre par rapport au niveau du gars. Tiens, on va essayer de faire F franc. Sais pas si c'est bien joué F franc, mais au moins c'est marrant. Okay. Peut pas vraiment faire plus que ça. Prendre de l'espace, mais normalement, mieux que nul n'est pas envisageable. Peut-être que mieux que nul n'est pas envisageable non plus. Peut-être que mieux que nul n'est pas envisageable. Ouais, je crois que je peux pas progresser de toute façon. Quand même, je ferai B4, ça passera pas. Non, il n'y a pas moyen de passer. Je propose nul.
Non, je peux pas passer derrière les lignes en fait. Il bloque toutes les cases. Il bloquait toutes les cases d'entrée. Ouais, c'est juste égal. Alors, l'ordi veut faire roi prend G5 pour jouer le gain, mais ça me paraissait bien dangereux. Allez, on a joué ce joueur qui était vraiment. C'était difficile de lui prendre des points. Les 4 et plus, ça permettait pas de pousser. Après, faut faire gaffe hein, avec ces positions, elles peuvent vraiment vite se retourner aussi. La finale de dames, je pense qu'elle pouvait jamais pousser. Après, j'étais jamais en danger non plus, hein. Est-ce que je peux faire un truc dans l'esprit de l'Ouest indienne? Et en fait, là, je vais filer un pion et prendre la case F5. Est-ce que c'est complètement con ou pas? Parce que ça me paraît hyper fort. En fait, je vais filer un pion. Mais je gagne une case. Je vais faire F4 pour le chasser. Et je vais m'installer en F5. De manière vraiment durable en plus. Après, il peut jouer Grand Roque ici quand même. Ça, c'est dommage. On va tenter de faire A5 vite. Je vais mettre le cavalier en F3 bêtement en opposition pour le moment. Ça me développe une pièce. Ces pièces sont un peu bizarrement agencées. Il va sûrement jouer A6. Je pense qu'il va jouer A6. Alors, il veut menacer. Cavalier prend F4. Je peux sans aucun problème me déplacer en H1. Menace rien pour le moment, je vais faire A5 quand même. Mettre le pion A6 peut m'intéresser. Échanger peut m'intéresser aussi d'ailleurs. Je pense qu'échanger m'intéresse encore plus. Plein de coups possibles là, c'est pas facile de se décider. Je vais faire tour à 4 quand même, je couvre un peu. Et tour 1, une nouvelle fois sur D4, je veux échec. Pas grave de donner les tours ici. Son roi est faible, mon cavalier en F5 est tellement fort. Il contrôle trop de cases sur l'échiquier. Donc là, je suis OK d'échanger mes deux tours contre la dame. Pour avoir vraiment toutes les cases blanches, ça va partir pour. On va prendre D4. Il peut pas prendre, j'ai dame C6. Et vous voyez, le roi maintenant est complètement safe parce qu'il a plus de cases blanches. Et ici, on va simplement terminer la partie en prenant, en faisant dame E4 et dame prend E7. Les cases blanches qui suffoquent. Alors attention quand même encore. Passer le roi en G2 pour le moment. Parce que comme ça, on veut cavalier E5, ça et cavalier C6 pour aller mater. On va faire cavalier E5 du coup. Et D2, cavalier C6, j'ai pas vérifié si ça matait. Et ça mate pas. Si ça mate. Ça menace dame A6 aussi. Ça menace tout. Le roi G2 était bien joué, hein.
Sparty est vraiment belle. Symphonie sur case blanche. C'est la Hesse, c'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, c'est la Hesse, c'est la Hesse.